Bon, salam alaikum. Bonjour tout le monde. Bon, suite les dernières vidéos que nous avons faites, on a des vidéos sur Group Buy. Et la dernière vidéo, on a fait Having. Alors aujourd'hui, on va toujours continuer avec notre exercice pilote. Je vous ai donné le lien dans les vidéos les plus. Et aujourd'hui, on va essayer essentiellement de commencer avec des petits exemples de la base de données Vol pour concrétiser un petit peu le group buy et le having. Ou si nous avons des questions très firmes, intersect, union, etc., etc., on va essayer de les travailler aussi. Comme ça, inchallah, on va passer la prochaine fois à des exercices les confirme le niveau un petit peu plus élevé. Comme ça, vous allez vous familiariser avec la chose. Alors, si on prend à titre d'exemple, la question 24. Quel est le nombre de vols effectués par chacun des pilotes? 24, la question 24. Donc, tu vois, vous êtes en train de suivre avec moi l'exercice, d'accord. Alors, la question 24, quel est le nombre de vols effectués par chaque pilote? Ça veut dire quoi, Barry, le nombre de vols. Alors, le nombre de vols, la table vol, ça veut dire je vais compter la table vol. Ou est le nombre de vols, bref, par pilote, par pilote. Ce qui veut dire, par pilote, j'ai le choix. Où est-ce que j'ai PL nul ou l'indien PL non. D'abord, on va dire exemple 7. On va dire PL nul. Ça veut dire que chaque pilote, ou dame de pilote, on va dire le nombre de vols d'IAL. Remarquez le nombre de vols, on va dire la table vol. Ou PL nul, غادي نجيبو حتى هو لا طابلو بوط. Ça veut dire, je peux écrire la requête, je peux écrire select v.pl nul, virgule, count, étoile, nombre vol, d'accord, from, pilote, from vol, V. Mais faites très attention. Je veux compter les vols pour chaque pilote. Ça veut dire, je dois regrouper group by, V.pl. Alors, parce que, j'ai besoin de PNM. PNM existe dans la table vol, donc ce n'est pas la peine de travailler avec la table pilote. Si vous voulez faire select PL non. Le problème de PL non, c'est que vous avez la table pilote. Le nombre de vols, count étoile, tu vas le ramener dans la table vol. Donc, non, si vous vous rappelez le cours leader, vous le comptez, et vous avez une table, vous avez toujours une table sur laquelle nous allons effectuer l'opération de la fonction d'agrégation. Allez, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je suis obligé d'abord de travailler avec la table pilote et de travailler avec la table vol. Ce qui veut dire qu'il y a une règle de pilote et vol, donc automatiquement j'ai besoin de quoi? Automatiquement j'ai besoin de deux tables, ou bien je vais faire les deux tables, c'est-à-dire que c'est une jointure. Je rappelle que si un exercice, on a fait un exercice, la jointure produit cartésien. Faites très attention.
cartésien, ce n'est pas une jointure. Une jointure est égale à un produit cartésien plus l'égalité des attributs. Alors là, je suis obligé d'avoir from, pilote, pilote, P. Alors, je vais faire une jointure avec vol, V, avec vol, V, avec quel attribut? Je vais faire la jointure avec P, point, PN nul, les ouvres les primaires, avec V, point, PN nul, les ouvres les étrangères. Vous n'avez pas de where, vous n'avez pas de where, hein, parce qu'on va éliminer personne. L'hisab, le compte, va se faire sur toutes les lignes de la table vol. D'accord? Select from, group by, group by, qui m'a groupé la PNU parce que nous avons sélectionné PNU. Maintenant, nous allons regrouper avec PNU parce que nous avons ramené PNU. Bon, PNU, qu'est-ce qu'elle dit la règle? Tous les attributs de select doivent exister dans la clause group by, sauf les fonctions d'agrégation. D'accord? Donc, from p.pnu, donc vous êtes obligé de faire ça. Sauf, notre requête est là, notre requête est là. Mais à condition que pnu est colle unique pour avoir, yani il y a, ce n'est pas une erreur de syntaxe. Non, la requête, elle est bonne syntaxiquement. ولكن إلى كانوا عندكم جوج ديال لي بيلوت سميتهم جيلاني غادي تحس بلي أن لو كونت غادي تجمع على جيلاني ولكن هما سو سون دو بيلوت ديفيرون هنا سي بون فولو كو فوتر كابتن سوا بارفيت إي سوا فريمون إكزاكت دونك هنا فو بوفي راجوتي واحد إليمون في الجروب باي اللي هو بي داكوغ اللي هو بي باردون بي بوان بي إن داكوغ ولا في بوان بي إن بي P, point PL, PL nul. Allez, c'est donc P, point PL nul avec P, point PL. Voilà, qui est là, maintenant, j'aimerais bien, là, il est ajouté P, point PL nul. Mais tu vois, comme c'est la confusion avec ce que je vous ai expliqué, Flicol, faites très attention, vous ne devriez jamais avoir, le groupe by, un attribut, les ou les primaires. Oui, vous ne devez jamais avoir un attribut les ou les primaires. Focage. Si dans From, vous travaillez simplement avec la table, il y fera la clé primaire. D'abord, regardez. Là, on travaille avec la table pilote et on travaille avec la table vol. Je vais vous dire comment. Le count, on a dit de. Le count, c'est sur la table, il y fera la clé étrangère. Le max, le min, l'AVG, le sum. Quelle est la fonction d'agrégation le nombre de lignes que vous avez dans la table qui a la clé étrangère. Voilà qui est une étrangère. Alors, puisque le khidma a dit qu'elle a la clé étrangère, elle a la table qui a la clé étrangère. Dans la table vol, dans la table vol, PNU n'est pas clé primaire. Elle a dit qu'on est le oui de monsieur. Oui, il y a la clé étrangère. Pourquoi PNU? Faites très attention. Vous êtes des informaticiens. Et non. Rahna dayrin tesawi. Rahna dayrin l'égalité. Mabin v.pnu avec p.pnu. Ça veut dire même p. Puisque v.pnu il va se répéter plusieurs fois. Même p.pnu il va se répéter plusieurs fois. Et non, si vous voulez la notion de le produit cartésien qui fait je radicote. Mais si vous voulez l'égalité. Je vous puisque vous avez l'égalité. Si par exemple, on va dire que c'est A, va dire que c'est A, ou A, va dire que c'est B. Et là, le chemin de A, ou le chemin de B, c'est la même chose. Et là, vous écrivez V.PLM dièse, ou là, vous écrivez P.PLM, c'est kiff kiff. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. D'accord? Il n'y a vraiment pas de différence. Donc, j'aimerais bien que vous fassiez attention à ces petites. À ces petites remarques, mais parfois, qu'elles peuvent rendre la requête d'Yalkoum ralat, elles peuvent rendre la requête d'Yalkoum. Donc, si on va à la question 25, trouvez le nombre de vols par pilote et par avion. Faites très attention. Brina, le nombre de vols par pilote et
fait nul. Ça veut dire qu'il y a des tribunaux par la conquête, c'est pas les dernières vols. C'est très simple. Achetez un résidu d'un V.PL nul. Résidu V.AV nul. Parce que là, il y a une tiara, une l'avion, là, il y a le pilote. Et à côté, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir qui m'a là, 40 étoiles, nombre vol. Faites très attention. Tous les attributs de CLF doivent exister dans le groupe by sauf une fonction d'agrégation. C'est que là, vous devez avoir virgule V.AV. Allez, je vous dis, monsieur, il est une maladie, un contrôle ou un examen. Est-ce que ça compte? Oui, ça compte. Ça compte parce que la question. Mais je voudrais les noms des pilotes et je voudrais les noms des avions. Je voudrais le nombre de vols par pilote et par avion. N'tarajib PLM, ou le pilote. Ou n'tarajib AVNM, ou le vol. Donc, j'ai le nombre, c'est bien, j'ai le nombre. Quand j'ai dit, mais la table de vol, la requête d'IELC, elle est juste, la requête d'IELC, elle est parfaite. Voilà, mais si on change, si on change la question, on dit, Jibli, le nombre de vols, voilà, le pilote Jibli, le nom du pilote, ou l'avion Jibli, le nom de l'avion. Alors, la requête n'est plus juste. Ça ne marche pas. Maintenant, ça veut dire maintenant, il reste Jibli, et là, on dit Jibli Avenant. Ou Avenant Finkaï, Avenant Kaïn, Avion. Ou Gdemar, Jibli, Count, Étoile, Nombre Vol. Hada Nombre de Vol, Mil Rajibo. Nombre de Vol, Bina, le compte, il s'est bien, il s'est bien, là, on a pas le vol. Ce qui veut dire que tu es obligé à mettre ta tête. Tu es obligé à mettre ta tête dans l'état. Tu es obligé à mettre ta tête dans l'état. Trois temps. D'accord. Tu es obligé à mettre ta tête trois temps. D'accord. Ça veut dire, quand il y a un pilote qui est venu à le nom, quand il y a un vol, parce que vous voyez, il y a un délai, il y a le count, il y a un délai, il y a l'excès. Ou quand il y a un avion, parce que il y a les le nom de l'avion. Ce qui veut dire, déjà le contexte de la jointure, c'est de jointure avec la table avion, c'est une jointure avec la table avion, d'accord? Ou dire V, point, avenue, est égal à A, point, avenue. Hein? Le groupe by dialect, groupe by, tous les attributs de salaire qui sont du colon, groupe by. Donc, groupe by, P.PL, non, virgule A.AV, non. Mais ça répond à la question, oui, à condition. Toujours à condition quoi? À condition que PL non, il est unique, et avenant, il est unique. Il faut qu'on ait des conditions. PL non, PL non, ou avenant. D'accord? C'est très important. Pardon, on dirait une pause. Alors, je disais, nous sommes dans la requête, elle est juste à condition. À condition que PL non, personne qu'on est unique, ou à bien sûr que nous comme elle est juste. Mais c'est syntaxiquement, parce que elle est syntaxiquement, elle est juste. Ou elle est logiquement, elle est juste. À 100%, il reste le nom unique, mais il t'aouj. Ou il reste le nom de la vérité en wama, mais il t'aouj. Ou elle est là, elle est chic. Elle non, le nom a dit t'aouj. Ou le nom de l'avion va dire t'aoui, bon, il y a un risque. Qu'est-ce que tu peux rajouter là? Tu peux rajouter P.PLM, le groupe, et tu peux rajouter A.AVNM, le groupe. Bien sûr, quand on a fait la règle,
je peux ajouter des attributs du groupe by, mais je ne suis pas obligé de les faire. Je les fais select. Ok, moi, je vais vous faire la question qui a dit, vous pouvez voir là, d'accord. Là, je peux travailler avec ARP parce que j'ai P.ARP enum est égal à V.P enum et j'ai A.F enum est égal à A.F enum. Ça veut dire A égale à B ou C égale à D, c'est la même chose. D'accord? Donc, maintenant nous avons travaillé avec trois tables. Donc là vous êtes sur la question, là vous êtes sur la question 25. D'accord? Là vous êtes sur la question 25. Ok? Sur la question 26. La question 26 qui est demandée où a le nombre de vols par pilote. Et là nous la première question, le nombre de vols par pilote, elle est là. D'accord? PNUM, le count. Mais qui est le prédit aussi, j'ai les numéros de pilote ou j'ai le count. Ou le qui est le rythme, c'est le count, dialogue, il est supérieur à 5. Chouf, dès que tu as dit qu'il y a une condition, ou le qui est la condition qu'il y a après le groupe. Il y a tout groupé, ou le groupé, c'est le groupé, c'est le groupé, c'est le groupé. Donc, à ce moment-là, c'est le groupé. هنا غادي تزيد لي هابي غادي تزيد لينا هابي داكا وغادي تجي تقول لي هابين كوا هابين كاونت ايطوال داكا سوبيريور ا سان كونديسيون ابري لو غروب با سي فو فولي ديروها هنا دونك غادي خص يكون عندك بي ان والكاونت. Tu n'as pas besoin d'une jointure avec avion parce que nous avons un bouche avion. Tu fais le groupe dialogue avec PLNO et AVNO, PLNO. Ou je vais le dire, having, d'accord, count, having count, étoile, supérieure à ça. D'accord? Donc, vous avez un petit exemple rapide qui explique un petit peu le travail très basique, un travail basique sur group by et hub. Donc, on va faire, Inch'Allah, d'autres questions qui sont un petit peu plus difficiles que ça. Je vous remercie.